Docteur, je sens un ganglion là. Est-ce que c'est grave ? Cette phrase, je l'ai entendue très souvent. Donc aujourd'hui, je vous parle de la différence entre un ganglion, une adénopathie et ce qu'il faut retenir pour éliminer la gravité. Allez, je vous mets ce petit schéma très simplifié. Donc en gros, la différence entre un ganglion et une adénopathie, ça dépend de la taille, de la forme, de la localisation. En gros, c'est un ganglion quand c'est inférieur à 1 cm au niveau sous-mandibulaire ou au niveau inguinal. Après, du coup, on parle d'adénopathie si c'est supérieur à 1 cm, que c'est localisé plutôt au niveau cervical, susclaviculaire. Ça peut être au niveau aussi inguinal si c'est dur, douloureux. Sous les bras aussi, j'ai oublié, au niveau des aisselles. Et donc, la découverte d'adénopathie, bien sûr, pousse à un bilan, recherche de cancer. Alors que les ganglions un petit peu gonflés, c'est plutôt dans les infections virales ou bactériennes. Et un ganglion isolé au niveau sous-mandibulaire, c'est en général une adénite. Donc une inflammation ou une infection de ce ganglion. Si vous l'avez que d'un côté, que c'est très dur et gonflé.